ce qui était annoncé, Amon, le dieu noir, revit. Si un espoir demeure pour notre galaxie, il repose entre les mains d'Exelnagar. Seule une partie de la prophétie reste encore à compléter. Celle indiquant que le monde qui a vu naître Amon serait également celui d'où jaillirait la dernière lueur d'espoir. Un seul être connaît l'emplacement de ce monde. Une créature connue sous le nom de Samir Uran, ou, pour les Terran, sous celui de Narod. Ce système abrite une installation du contingent Mobius, depuis longtemps oubliée. Espérons que ses secrets reposent encore entre ses murs. Zeratul, c'est un immense honneur. Je suis le prêteur Talis, et je sollicite humblement votre aide. Une troupe non identifiée a enlevé des Templiers sur nos différentes colonies. Nous sommes parvenus à la retrouver, puis à la suivre jusqu'à une installation Terran, où mes troupes subissent actuellement un assaut de l'Essaim. De l'Essaim ? Je suis en route, Talis. Puisse Adun vous protéger jusqu'à mon arrivée. Nos frères sont retenus prisonniers dans différentes parties du complexe. Nous devons les libérer avant que l'Essaim ait envahi toute l'installation. Zeratul. Il me semblait bien avoir perçu ta présence. Inutile de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu fais ici? Cet endroit recèle des informations que je recherche, ainsi que plusieurs de mes frères prisonniers. J'ai la ferme intention de tous les soustraire à l'emprise des Terran. Amon se sert de ce complexe pour former son armée hybride. Mon essaim va le réduire en poussière. Mais je sais qu'il t'en faut plus pour t'arrêter. Alors je vais te le dire clairement. Ne te mets pas en travers de notre chemin, Zeratul. N'ayez crainte, Talis. Nous n'allons pas abandonner ce combat. En agissant vite et avec discernement, nous éviterons les saints. Entendu. Notre base est prête pour votre arrivée. Merci. Nous avons bien cru notre heure venue. Que savez-vous de cette installation, Zelot? Les Terran nous ont torturés. Ils ont mené toutes sortes d'expériences sur nos frères. Peu ont survécu. J'ai déjà vu ce type d'exaction, mais Narod est mort. Qui vous a amené ici? Hélas, je l'ignore. Prêteur, nous aimerions nous joindre à vous pour venger nos frères d'armes. Dans ce cas, préparez-vous, Templier. Nous vous remercions, mes frères. Les Tal'Darim ont enlevé des Templiers qu'ils ont séquestrés sur des stations Terran, avant de les transformer en hybrides. Les Tal'Darim? Jamais ces hérétiques ne s'étaient aventurés si près de nos mondes. C'est l'œuvre d'Amon, forcément. Templier, où vous retenait-il? Un temple Exelnagar, différent de tout ce que je connais. Eris était son nom, mais son emplacement a toujours été gardé secret. Le contingent Mobius et les Tal'Darim ont tous servi sous les ordres de Narod. Lui devait connaître l'emplacement de ce temple. Le système d'Atrias. C'est en ce lieu qu'Amon est revenu à la vie. Au plus profond du cadran Sigma, protégé par les Tal'Darim. Vous m'avez aidé dans ma quête, Zeratul. J'ai donc une dette d'honneur envers vous. Aussi, vous pouvez compter sur nous pour vous appuyer dans votre entreprise de reconquête de ce temple. Personne ne doit entrer tant que j'en ai pas fini.
Quiconque osera braver mes ordres le paiera de son sang auprès du Haut Seigneur. Le Haut Seigneur d'Aldarim est ici. Voilà un bien sombre présage. Et nos difficultés ne s'arrêtent pas là, Zeratul. Ce monde est à l'agonie. Les réserves de Vespène qui reposent sous la surface sont très instables. Cette planète semble en état d'éruption permanente. Ces fissures constituent la dernière source de Vespène. Nous allons devoir nous y aventurer si nous souhaitons pouvoir lever une armée. J'espère que votre temple en vaut la peine. La voie est enfin dégagée. Oui, mais les Taldarim ne sont pas réputés pour prendre un revers à la légère. Ils vont accourir à la rescousse de leur beau seigneur, et en nombre. Allez-y, Zeratul. Entrez dans ce temple et trouvez les réponses que vous recherchez. Nos lames vous octroieront le temps nécessaire. Je vous remercie, Talis. Entaro Tassadar. Adun Toridas, mon frère. Seigneur, les intrus sont parvenus à s'introduire dans le temple. Ils seront sur nous d'ici peu. Condamnez tous les accès. Je vais prévenir le maître. Il sera fait selon votre volonté, lame d'Amon. Zeratul, les Taldarim répliquent. Les hybrides assaillent nos troupes. Avez-vous réussi à entrer dans le temple sans encombre ? Oui, mais tous les accès en ont été condamnés. Les Taldarim doivent suspecter une intrusion. Mes Templiers sont aux prises avec l'ennemi. Vous allez devoir continuer seul pour le moment. Je vais faire de mon mieux pour suivre vos déplacements. Guerriers, nous devons nous presser. Le destin de la galaxie dépend de nous. Cette alcôve surplombe la chambre centrale. C'est sans doute là que Malash s'est retranché. Zeratul, cet appareil, les Taldarim l'utilisent pour communiquer avec Amon. Vous avez raison. En le détruisant, nous retarderions l'arrivée des sbires d'Amon. Assez pour prévenir Artanis. Je m'en occupe. Le prélat noir est ici. Trouvez-le! Il se passe quelque chose. Je détecte de violentes fluctuations des énergies du vide. Zeratul, la clé te mènera jusqu'à l'espoir. Tassadar, est-ce possible? Talis, je viens d'avoir une vision. La clé vers notre salut. Votre salut ne dépend que de moi. Que vos souffrances prennent fin. Amon fait
fait s'écrouler le temple. Je dois partir. Thalys, notre peuple ne pourra jamais honorer sa dette envers vous. Pour Aïr ! Sacrifice, nous avons trouvé l'espoir. Une vision envoyée par les Xel'Naga qui pourrait nous permettre d'empêcher la dévastation éternelle de s'abattre sur nous. À présent, je dois retourner auprès des miens. Ils ne comprendront pas le sens de mes actes, mais j'affronterai leur jugement et je tâcherai de me faire entendre. Car seul Artanis, jeune hiérarque des Protoss, peut réunir les différentes factions avant que la colère d'Amon n'engloutisse toute la galaxie.